Hey les potes, c'est Ekar et aujourd'hui on est là pour utiliser un scanner de reconnaissance pour repérer un ennemi. Donc tout simplement les gars, vous allez voir, c'est très facile à trouver. Et on va aller directement sur la map pour essayer de trouver des emplacements et vous guider pour ce défi qui est assez simple finalement. Alors les potes, n'oubliez pas avant toute chose de liker, de vous abonner et de mettre le petit code créateur Bokuni. Ça nous ferait extrêmement plaisir et ça nous soutiendrait dans la boutique Fortnite. Voilà, donc B-O-K-U-N-I, merci à tous ceux qui le front. Et n'oubliez pas également, on a des giveaways en cours sur notre serveur Discord. Discord, c'est une application gratuite que vous pouvez appliquer directement sur le lien qu'il y a dans la description et dans les commentaires épinglés. Vous avez juste à cliquer, c'est fini et vous êtes sur le serveur. Et les potes, il faut aller dans les canaux ici, donc canaux giveaway 1, 2 et 3. Et vous avez juste à cliquer sur la petite émoticône faite et vous avez donc vous êtes éligible au tirage au sort qui a lieu par exemple dans 8 heures pour le pack Buga. Et on a également d'autres packs à vous faire gagner. On a également 800 V-Bucks offerts de la part de Bokuni. Et on a également du coup le petit pack LeBron James. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à aller directement dans la description pour essayer de gagner l'un de ces packs. Et les potes, n'oubliez pas également d'être abonné à Furonix pour le pack Buga. C'est une condition pour gagner le petit pack. Sur ce, let's go, on va directement aller voir les emplacements. Et voilà du coup pour l'emplacement, ça va être assez simple. Moi je vous conseille d'atterrir à Corny Complex, donc juste ici les gars. Alors il y a un emplacement spécial, c'est la petite grotte qu'il y a juste en dessous. Donc voilà, on a le gros bâtiment, la grosse ferme, on a aussi les petits bâtiments aux alentours. Mais on a ce qui nous intéresse, donc tout simplement la petite grotte qu'il y a ici. Donc je vous montre sur la map. Ok, donc c'est à côté du coup de complexe, donc Corny complexe. Et du coup vous allez rentrer immédiatement ici. Et vous allez voir, en fait il y a pas mal de petits coffres de Lio. Donc là on va essayer d'éviter les bots. Et on va essayer du coup de fouiller des coffres de Lio. Très important hein, les coffres Lio. On va essayer de voir, regardez là il y en a un. Voilà. On va essayer de fouiller et du coup on aura vite fait un scanner de reconnaissance. Et donc voilà, par exemple là on a un coffre de Lio, on le fouille et voilà, on a déjà du coup un petit scanner. Alors vous avez vu, donc le scanner de reconnaissance, tout simplement il se présente comme ceci. Et donc c'est tout simplement l'arme, hein, d'accord, c'est l'arme à lance-grenade qui va faire que vous allez pouvoir lancer un petit peu des lance-patates un petit peu partout. Et ce qui va faire que vous allez pouvoir localiser des ennemis, d'accord. Donc dès qu'on va localiser un ennemi, on va trouver directement et ça va valider le défi. Voilà, donc là par exemple on a localisé des adversaires. On est bon. Alors, petite info à savoir, le défi ne marche pas sur les PNJ. Donc, comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai dit « Ah, c'est bon !» Et en fait, du coup, je me suis fait totalement avoir les donc personnages de Lio, ça ne marche pas. On a également, du coup, les PNJ, par exemple, disons, allez, Tagger, etc., Bill l'humain, etc. Ces personnages-là ne comptent pas. Il faut bel et bien trouver, du coup, un vrai joueur et lui lancer le scanner de reconnaissance afin de découvrir sa position et valider le défi. On va essayer, du coup, d'avancer un petit peu dans la game afin de valider le défi ensemble. Et voilà, les gars, du coup, j'ai entendu des tirs par ici. On va essayer de lancer le scanner afin de voir si on trouve quelqu'un. Alors... dans cette maison, il n'y a personne. Mais du coup, est-ce que si je fouille un petit peu plus là-bas, j'ai l'impression qu'il y a des tirs un petit peu plus là-bas. On va essayer de voir, hein, les gars, pour lancer un scanner de reconnaissance. Et voir, du coup, si ça nous valide bel et bien notre défi. On voit une personne là-bas, justement, au fond. On va essayer de lancer. On va essayer de lancer. Hop. Et voilà, du coup, le défi est validé. On a bel et bien repéré un adversaire. Et du coup, le défi... et fini. Voilà, en tout cas les potes, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et mettre le code créateur Bokuni en boutique. Sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, et puis c'est tout, c'était Ekar, ciao.